Et salut à tous, c'est Loupier YouTube. Sans faire peu attention à ce qu'il y a derrière. Bon, là c'est un autre truc. Hein. Vous savez quoi, j'ai fait exploser avec de la TNT. Et ça y en fout. Je sais pas pourquoi le compas a cette texture. C'est d'être un peu de texture du coup. Ouais, je sais pas pourquoi il a mis cette texture. Allez. Boum. Ah. C'est bien ça. Bon, allez. On te laisse tout seul. Alors je vais vous montrer comment en fait je vais faire des tours custom NPC. Alors là du coup il y a plusieurs catégories, là plusieurs rôles, plusieurs jobs, voilà. Avec tout ça je vais vous faire plein de tutos. Alors Vous pourrez aussi me donner des idées en commentaire de ce que vous voulez savoir. Hein. Alors, pour commencer, je vais vous montrer comment faire un trader. Bah, en général, les traders, c'est mieux qu'ils sont en free and lead, enfin, dans la faction free and lead. Enfin, vous touchez à rien. Vous pouvez mettre un nom genre trader, voilà. Vous pouvez le mettre en show ou pas. Bon, du coup, c'est un trader. Mais il se passe rien, il n'y a rien là-dedans. Hein. On va faire par exemple un trader qui vend des trucs de mine. Alors, minage, par exemple, vous mettez en dessous genre minage pour savoir si c'est un trader pour le minage. Aussi, si vous voulez, vous pouvez lui mettre un pseudo en blanc, c'est facile. Là, du coup, il est dans la fonction friendly pour d'ailleurs. D'ailleurs, ça, on s'en fout. Voilà. Là, il est dans la fonction friendly pour l'instant. Du coup, si vous voulez changer la couleur, vous pouvez, comme ça, voilà. Voilà, comme ça, c'est blanc. Ah, voilà. Comme ça, ça fait mieux. Ça fait plus logique. En vrai, ça sert plus quand on fait des faux joueurs, même. Alors, du coup... Bon là du coup on s'en fout de la vie parce que de toute façon il est pas censé prendre des dégâts sur un trader. Enfin si vous voulez vous pouvez faire comme un voyageur, du coup on peut attaquer tout ça. Alors le seul truc que vous allez toucher c'est ça. Aussi mettre votre trader bien sûr. Alors du coup, edit. Vous voyez, en fait là, ça c'est ce qui... En fait c'est ce qu'on doit donner pour avoir un truc, et là c'est le truc qu'on gagne si on donne les deux trucs. En fait on peut donner deux trucs mais on peut gagner qu'un seul truc. Faudrait qu'on puisse donner plus de trucs et gagner plus de trucs peut-être, je sais pas. Une quête market name, ça par contre je suis pas trop spécial. Il y aura muté, il y en a mis ça non plus, je sais pas trop. Hein. Alors par exemple, puisque c'est un PNJ pour les minages, on va donner une pioche en or. Imaginons la monnaie du PNJ, c'est de lingots d'or, par exemple. Ça peut être n'importe quoi, vous pouvez choisir d'autres trucs, bien sûr. Par contre, j'ai envie de mon NPC monde. Voilà. Du coup, il va donner ça. Et du coup, il faudra lui donner par exemple
Diago d'or pour en avoir. Faisons le test. Là, j'ai bien Diago d'or, par contre. Si j'ai passé, je peux pas. Hein. Non, je peux pas. Mais si j'ai assez, je peux. Et ouais. Bon, bref. Par exemple, on peut donner des torches. Alors, on peut donner par exemple jusqu'à 16 torches. Parce que quand on craint des torches, ça en donne que 4. On sait que des torches, du coup, ça va coûter 5. Parce qu'on a quand même 16. Hein. Sinon, on peut aussi donner une pioche en diams. Quand même. Mais ça va coûter quand même un peu plus cher. Ah bah oui. D'ailleurs, on doit inverser le truc. Par exemple, ça pourrait coûter par exemple 30. Ouais. 30. Puisqu'ils sont en train de minage, bah du coup ils pourraient donner des minerais, cuits ou pas. Mais en vrai, je vais les donner cuits, c'est mieux. Alors. Bon, par contre. En vrai, ça sert à rien qu'ils nous donnent de l'or, en vrai. En vrai, du coup, pour avoir de l'or, au pire, je vais plutôt faire avec des pupilles d'or. Ouais, ça va être mieux. En plus, ces pupilles d'or, ça fait plus trade. Voilà, bon, par exemple, un diams, un diamant, du coup. Bah déjà là 3 c'est 30. Par exemple pour en donner 5. Voilà, 50 du coup, c'est quand même du diams, hein. Voilà. Et l'or, pardon. Bon, c'est quand même de l'or, c'est. Hein. Je vais mettre 3 écoutes même. Le fer. Donc, voilà. Alors. L'émeraude. L'émeraude est plus rare que le diamant, du coup, bah, ça va coûter plus cher. Même si en vrai, ça sert à rien. Bah, en vrai, puisque ça sert pas trop à grand chose, ça, le prix va. Je vais baisser le prix, du coup. Mettre avant. Faudrait qu'il y ait un. Faudrait qu'il. Ah ouais, faudrait qu'on puisse retourner en arrière quand même. Ouais, ben sauf pour les pioches, du coup, et les torches. Voilà, pour gagner de l'argent, du coup. Comme ça, si jamais on s'est trompé, tout ça. Et si par exemple, on a transformé du diams, du coup, en fer. Voilà. Voilà. Et ça donne exactement pareil, bien sûr. Voilà. Voilà. Bon. En vrai, je vais pas faire un truc pour que ça donne une pioche en bois ou en pierre, parce que quand même. Alors,
Bah, du coup, bah, c'est tout ce qu'il y a de...